Salut les fans, je suis Franco. Je viens à travers ces images qui inondent les réseaux sociaux depuis un certain bout sensibiliser mes frères africains une fois de plus en ce qui concerne l'immigration. Ceux-là qui pensent que la meilleure réussite c'est en bain. Tout d'abord, je vous présente quelques images du nouveau système. Constatez là, nous avons comme impression que ce sont des matelas importés. Observons la scène. Yeah! 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 Ah, ça, les Africains sont des vrais génies. Observons également le deuxième matelas. J'ai découvert également une brave dame sur les réseaux sociaux qui nous donne des techniques clés pour des migrants intellectuels. Écoutons attentivement. Premier pays que je recommande pour un Africain, si tu es par exemple en Afrique et que tu veux venir en Europe, le premier pays que je te recommande, c'est quoi? C'est le Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, en ce moment, particulièrement en ce moment, l'entrée au Canada n'est pas compliquée. Ah bon? En 6 mois, tu peux faire tes dossiers, tu te retrouves au Canada, tu travailles, tu as ta maison, tu mènes tes activités comme une personne normale, quoi, avec même ta famille. Le Canada aussi, le système éducatif au Canada, il est très accessible. Donc, quand vous êtes déjà sur place, vous pouvez faire des études. Et le Canada est axé sur des petites formations, quoi. Vous avez les formations de 6 mois qui te donnent droit à l'emploi, qui te font postuler à des bons postes aussi et qui boostent ton dossier d'immigration. Parce qu'au Canada, en ce moment, l'immigration favorise beaucoup les étudiants qui ont étudié au Canada. Donc, si tu as un diplôme canadien, tu es favorisé en ce qui concerne l'immigration. Et le rythme de vie est comment? À ce niveau, c'est bien. Et aussi la qualité de vie, quoi. Au Canada, c'est très intéressant parce que les maisons sont grandes, les routes sont grandes. Tu as accès à presque tout là où tu es. Les francophones s'en sortent là-bas? Pour ceux qui vont choisir par exemple le Québec est francophone, c'est accessible. Pour les francophones, c'est bon. Mais si tu veux l'anglais, tu vas aller dans les zones comme Toronto et tout. Et c'est aussi dans les zones comme Toronto qu'il y a plus de business, vous voyez? Ah ok, maman, on voit bien. Et il n'y a pas le racisme là-bas? Il n'y a pas beaucoup de racisme comme dans certains pays. Alors, c'est ça. Donc au Canada, si tu es bon, tu vas réussir. Super. Un autre pays? L'Angleterre. Pourquoi? Là-bas, le système éducatif est très bien, franchement. Lorsque tu as une éducation anglaise, tu peux te retrouver n'importe où dans le monde. Tu t'en sors et ça se passe bien. Ah, comment fait donc pour s'en sortir de ce côté-là? Bon, le seul problème avec l'Angleterre, c'est qu'au niveau de l'immigration, ils n'acceptent pas tout le monde. Ah bon, hein? Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec le Brexit. Ils en ont eu marre des étrangers européens qui étaient chez eux et puis ils ont décidé de quitter l'Union européenne, quoi. C'est quoi donc la raison? Si vous étudiez bien le système de l'immigration, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités, en fait. Pour ceux qui sont dans la science, par exemple, ceux qui sont dans la technique, ceux qui font les mathématiques. Moi, je connais plusieurs personnes, les professeurs de mathématiques en Afrique, qui ont déposé leur dossier à l'immigration anglaise pour continuer en Angleterre. Et on les a pris en moins de 6 mois, quoi. Pourquoi? Parce que les Anglais n'aiment pas beaucoup les mathématiques. Cependant, ils savent que pour que leur pays puisse être développé, il faut la technologie, il faut les mathématiques, quoi. L'accès au logement est plutôt intéressant. Vous pouvez avoir un council house, dépendamment de votre situation dans le pays. Vous pouvez acheter votre propre maison. L'État a mis sur pied des systèmes pour accompagner des gens à avoir leur propre maison. Par exemple, tu peux ouvrir un compte bancaire, Help to Buy, NSA, je crois. Donc, c'est un Help to Buy. Donc, tu ouvres ce compte bancaire où tu mets de l'argent chaque mois. Et à un moment donné, si tu trouves une maison quelque part, l'État va payer comme 20% ou 30% du montant de cette maison-là pour que tu puisses avoir ton premier logement. Le troisième pays alors? L'Allemagne. Pourquoi? Si vous regardez autour de vous, tous les grands médecins, tous les grands ingénieurs qui se sont formés, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont formés plus en Allemagne. Ça veut dire quoi? Le système éducatif en Allemagne est très intéressant. Et en Allemagne, ils font beaucoup de choses à travers leur gouvernement
pour que les étrangers puissent venir étudier là-bas. Le quatrième pays, c'est la Suisse. Pourquoi? La Suisse, c'est le français, le néerlandais comme langue qu'ils parlent là-bas et l'allemand aussi. Donc, vous allez choisir peut-être une ville où on parle peut-être le français, si vous voulez parler juste le français. Ça va être intéressant. Mais mon pays de rêve, c'est les États-Unis, hein? Un autre pays que je pourrais vous conseiller, c'est les États-Unis. Mais paraît-il que ce n'est pas du tout facile de ce côté-là. Mais vous savez, pour venir et réussir aux États-Unis, il faut être une bonne personne. Pourquoi? Parce que les États-Unis vont faire la sûreté sur votre vie. Ils vont regarder, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des mauvais antécédents ou pas. Et c'est en fonction de ça que tout va se jouer, quoi. Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Est-ce que, donc, on va voir tout ça. Il y a donc quel avantage d'aller là-bas? Aux États-Unis, ce qui est bien, c'est la liberté, franchement. Donc, tu as la liberté de faire ce que tu veux, pourvu que ça ne dérange pas l'autre et que ce ne soit pas contre la loi. Mais oui, c'est clair. Et aux États-Unis, même si tu vends l'air, tu peux devenir riche. On nous fait comprendre qu'il y a tellement de mauvais réseaux de ce côté-là. Est-ce que c'est vrai? Le terrain est ouvert. Le torrent est accessible. Ne vous laissez pas distraire parce que vous voyez sur Internet, tout ce qu'on raconte sur Internet là. La réalité, c'est sur le terrain. Si tu viens sur le terrain, tu es calme. Tu n'as pas les mauvais amis. Tu ne t'associes pas avec les mauvaises personnes pour faire du n'importe quoi. Ton dossier est propre. Tu suis ta voie dans ce qui est propre. Tu vas prospérer. Ouais, ça c'est très bien. Donc moi, c'est un pays que moi je peux recommander à quelqu'un pour faire les études, pour se développer dans les affaires, pour s'installer, pour prospérer. Bon, ça va. On a compris, non? Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Ok, les fans, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle édition. Tiens-moi là, mets ça dedans. Montez les gars, montez. Non, justement. Regarde, le bateau se penche. Il est ici, vite. Mettez-le en haut. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.